Allez, on sort le MTX. Bon, ça c'est déjà plus une machine à stun, tu vois. Et encore là, ça glisse beaucoup, alors t'arrives pas à passer. Ça, bah encore il gueule. Mais tu sais, même la puissance. Je manque un peu d'accroche pour pouvoir faire des. Poser, mais comme une. Merci. J'ai des triangles avant d'avance. Hein. Sa maladie, c'est les triangles et les pistons d'amortisseur. Et donc je les ai en rab et je les ai là sur moi. T'as déjà les roues à voir, regarde. Pas les roues. Là, comme ceux du T-Max. Oui, il y a la petite là dans le trou. Ah oui, putain. Ouais, c'est encore même plus violent que celle du X-Max. On tourne un peu. Vas-y. Voilà. C'est vrai. Hein. Comme ça, tu. Ouais. Hop là, il glisse un peu, tu verras, hein, le Mojave. Là en bas, je savais, j'ai posé le chariot, je dis. J'ai entendu l'arbre. Bon, bon, bon. Aïe, y a ça. Vendredi, on était à Sargumine en forêt. Mmh. Bon, il y avait les jeunes aussi. Et Invasion. Ouais, ça pique un petit peu les moustiques et tout. Joli. T'as vu, tout en douceur, il va bien. Oh, il est super dur, oui. Il est assez, pas violent, mais ouais, il est plus brutal. Ouais, là, c'est vraiment. Bah, l'empattement court et tout, ça fait beaucoup. Hein. Oh, bêtement. Ah, hier, justement, via Facebook, on m'a envoyé un message, tu sais. Quelqu'un qui me demandait ce que je pensais entre Obao 8SC et Obao et VS2, tu vois. Mais c'est dur à dire, les deux c'est des machines mais super costauds, super solides. Après c'est pas tout à fait le même style de conduite. T'en as une, ben le buggy il est quand même plus nerveux. Mais tu vas pas pouvoir faire un peu le cochon. Ah, j'y vais, j'y vais. Mais c'est vrai que après le 8SC, ben c'est comme lui. Tu vas pouvoir faire un peu plus le cochon, bah, malgré que le VS2, tu peux faire le cochon. Il pardonne plus, d'ailleurs. Mais c'est plus long, c'est autre chose. Après, au Obao, c'est franchement une marque. Moi, j'aime bien. Hein? Bah, tu vois, pourtant. Moi j'en ai quand même, je crois que j'ai calculé la dernière fois 5 à la maison. Ça fait quand même presque un tiers du DRC, tu vois, donc. Ah, t'en as moins que le Chris, en fait, aussi. DRC ? Ouais. Ouais, je sais pas combien j'en ai en ce moment. Chris, il aime bien les doublons aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Elle est loin, là, pourtant je voulais pas vite. Hein.
Ouais, c'est pas grave. T'inquiète pas. Là, comme tu fais, c'est cool. Hein. Ah, arbre. Mais punaise. Ah, je suis parti en crabe. Ah, j'ai essayé. Et j'arrive pas à passer le bac, tu vois. Ben là, pas de toute façon comme ça que je l'aurais passé, mais. Faudra juste certainement rebrancher les prises après. Tout en douceur. Ah, il râle. Il y a un diff qui râle un peu. Et encore, je me demande si c'est pas parce qu'ils sont trop détendus que ça fait un bruit. Joli! C'est quoi, je vais me mettre un peu sur le côté. Parce que comme ça. Hein? Non, il y a un truc qui m'a piqué, ça brûle. Ah, il y a peut-être un ton aussi, hein. Joli. Salut Raph! Ah, il y a Chris? Ouais. Chris, il vient pas rouler, mais il est trop KO. Mais je lui ai dit, bah, passe nous voir faire coucou. Il a dit, je passe nous voir faire coucou. Bah, je dis, passe. Voilà. Fabio, tu devrais sortir le max slash, là il va être à l'aise. T'es pas obligé d'envoyer fort, hein. Ah, ça marche pas. Seul problème du Mojave, c'est que quand tu tombes sur le côté, ça va. Mais quand tu tombes sur le toit, ben. C'est débranché? Ah non. Non.
Ah bah. Attends, j'y vais. Ah. Ouais, bah justement. Il a rouillé. T'as grippé les roulements? Voilà. Pourquoi je lave jamais mes RC? Ah, mais il sent tout sale. Quand tu laves entièrement, il faut pas faire tout. Quand tu. Bien, tu vois. Ouais, mais t'as huilé après, au pire, les roulements? C'est extérieur, oui. Ouais, extérieur. Cherche pas, faut démonter. Il est bloqué le disque. Je vois les livres derrière. Il est en mode train. Ouais, c'est bon, mais dès que tu vas avancer, le diff il est. Là, c'est le central qui est. Ouais, j'ai pas. J'ai pas poussé, je pense pas ça. Alors, faut l'ouvrir, faut. Faut ouvrir. Changer les roulements. Oh, on va le fiche là. Passe pas. Quand tu l'armes, il faut ouvrir tout. Je t'avais dit, hein, ne pas. Ah, tu l'as dit, moi aussi. Moi, je lave pas les RC à cause de ça. Attends, tu l'as avec ta. De toute façon, elles sont prévues, tu passes un gros coup de soufflette, là, moi je fais sur les fusées, les trucs comme ça, des fois je passe de l'eau, mais au centre, jamais, sur les diffs et tout. Je préfère qu'il reste un peu de saleté, un peu de boue ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux que de l'eau. Il y a le diff central qui est grippé. Bah en fait, quand on a été au Val d'Argent, on a mangé pas mal de boue. Et Fabio, il a tout lavé comme ça, Karcher. Et au Karcher, surtout l'eau, elle rentre vraiment encore plus partout. Ah, au G. Et même. Ah, et en fait, c'est ça le problème, l'eau, elle rentre. Monté, ouais, pour ça, moi, je l'ai. Le Mojave, je sais, je savais que je devais le réviser. Je l'ai passé au jet. Et je dis, de toute façon, voilà. Et en plus, rien que le temps, je l'avais pas fait tout de suite. En une semaine, j'avais déjà des roulements qui avaient grippé. Mais ça, c'est la. L'eau, c'est la plaie, hein. Qui je vois pas avec l'arbre. Ouais, c'est vrai. En fait, ils ont tellement rétréci en largeur la bosse, il faut pas être loupé. Hein.